Le concours national pour l'année scolaire 2018-2019, donnant accès au cycle post-fondamental, a débuté ce mardi 11 juin dans tout le pays. À 8h15, au lycée Notre-Dame de l'Ohilo en mairie de Bujumbura, centre de passation pour trois établissements, des candidats étaient en train de passer l'examen. Deux élèves se partageaient en banc pupitre. Séraphine Sibomana, présidente du centre du lycée Notre-Dame de l'Ohilo, se dit confiante quant au déroulement de l'examen. Les élèves sont en train de faire les épreuves des cours prévus dans le concours national. Aujourd'hui, ils ont commencé par les sciences humaines et l'entrepreneuriat. Tout se passe bien, aucun problème. Les élèves sont arrivés à l'heure. Au nord de la ville, au lycée Clarté Notre-Dame de Vouguidzo, 157 élèves ont passé l'examen, tous de ce même établissement. À 10h30, tous les écoliers avaient déjà terminé et étaient sortis des salles de passation. Certains se disaient rassurés quant à la réussite à cet examen et pour d'autres, certaines questions étaient compliquées. L'examen était tellement facile. J'espère que tout le monde a pu le trouver car de mon point de vue, il était tellement très facile. C'était un peu difficile. Il y a des questions que je ne comprenais pas, qui me semblaient difficiles. On a étudié ça, mais il y a des complications au niveau de répondre. Le concours se fera jusqu'à jeudi 13 juin.